在我的前方就是著名的仙鹤广场奥林匹克都市公园。本届奥运会的理念是把运动融入都市。中国的五星红旗在中间高高的飘扬。我们看到在塞纳河边开幕式的观众席现在还没有开始拆除。大家好，我现在所在的地方是法国巴黎的杜勒里公园。很多民众所围观的是奥运史上第一座没有真正火焰的主火炬台。这是奥运史上第一个没有火焰的主火炬台，观众所看到的火焰实际上是由光流和水雾所组成的视觉效果。尽管奥运会的开幕式已经过去了好几天，但是它的余波还是随着塞纳河在荡漾。Effectivement, on était très content d'ouvrir la cérémonie, d'y assister. Et puis très vite, on a vu bon, que c'était tendancieux, hein, beaucoup au niveau de tout ce qui est LGBT, tout ce qui est surtout la scène où là, on a détérioré l'image des chrétiens, on a un petit peu joué là-dessus. Et ça, c'était très désolant parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une communication internationale quand même. Et tous les autres pays qui ne sont pas dans nos mêmes mœurs ont dû être choqués de ce qu'ils ont vu.Il y a beaucoup de gens qui ont boycotté un petit peu au niveau des enfants, puisque c'est quand même un spectacle familial. Je pense qu'ils ont été un petit peu choqués, outrés de ce qu'ils ont vu. C'est dommage, parce qu'on doit renvoyer, vous savez, liberté, égalité, fraternité. On doit être un exemple pour le monde entier. Là, je ne sais pas qui a organisé ça, mais il y a eu beaucoup, plusieurs scènes et plusieurs passages qui ne nous ont pas plu en tant que Français et Parisiens. Il ne faut pas croire à l'étranger que la France, c'est ça. Et du coup, on est contents malgré tout.Vu que l'événement se passe chez nous, il y avait beaucoup de belles choses, vous avez vu, au niveau de la Tour Eiffel, au niveau des ponts, au niveau d'organisation, c'était quelque chose de très bien. Bon, mine de rien, il y avait quelques petits points noirs qui ont apparu sur cette scène, sur l'organisation, qu'on aurait bien aimé ne pas voir. Et bon, la France, venez en France, il n'y a pas que ça. Tous les Français ne sont pas d'accord avec ce qu'on a vu, mais on est content quand même que ça s'organise chez nous à Paris.Hi. That was good. Yeah. Entertaining. Enjoyable. Bit long, but yeah, that was good. Yeah, I thought it was interesting. I thought the boats that are carrying the athletes was very innovative. Yeah, it was a pity it rained, but yeah, it was very good. Bah, franchement, j'ai bien aimé. C'était surprenant, il y avait beaucoup d'animation, etc. Puis le show de Aya Nakamura, du coup, très bonne surprise, la reine de France. Voilà, j'ai bien aimé la cérémonie d'ouverture. Ouais, je l'ai regardé à la télé. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça diversifié. C'est la garde républicaine aussi qui dansait Kaya.C'était super bien. Et voilà, après, je ne l'ai pas spécialement regardé, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était une belle ouverture. Voilà. The whole concept was great. They incorporated some of their history with fashion, some of the with the culture of different people from different backgrounds, new France versus old France.So it was wonderful how they blended it all together. However, it's just that you could not experience it all. I had to actually watch it on TV to see an event that I was actually at because I couldn't see all of it. No. To have it on a river, that's the first time it's actually happened, so that's really great. However, it wasn't all-inclusive for experiencing it the same way. So there were some
who maybe spent more, they could see everything, whereas those who didn't spend as much couldn't see everything, and that's not fair. When you're in the stadium, you may not be able to see it as close, but you can still see and experience everything, and I think that is where it became a little unfair for everyone.巴黎2024奥运会开幕式上最引发争议的是一群变装艺术家和舞者在塞纳河的桥上举办庆祝会，这一场景让人想起了达芬奇知名的宗教画作《最后的晚餐》。另外还有一名歌者浑身蓝色，让人想起希腊神话中的酒神。对以上场景，一些宗教人士表示不满，梵蒂冈也罕见发声，在一份法语发表的声明中说，对开幕式上的某些场景感到难过。开幕式的艺术总监和总策划表示，这一场景的设计并非受到达芬奇《最后晚餐》的启示，而是想表达多样性。在餐桌上演奏音乐，是想对盛宴和法国美食的致敬，想传递一种爱的信息、包容的信息，而并非分裂。Never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course really really sorry.Heureusement, une grande majorité sont des réactions positives. Mais il y a aussi des réactions très très violentes et moyenâgeuses, je dirais. Moi, je pars du principe que si Donald Trump réagit à notre travail, c'est qu'on a bien fait notre travail. D'une certaine manière, je ne partage pas les valeurs de Donald Trump et je ne suis pas surpris qu'il réagisse. Moi, je n'ai pas la sensation qu'on ait fait quoi que ce soit de honteux, que ce soit dans la partie dans laquelle j'étais ou le reste de la cérémonie.Je pense qu'il y avait avant tout le désir de montrer la France, mais d'une manière différente. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit une succession de clichés, une imagerie un peu d'épinal, qu'on a pu voir 100 fois, 1000 fois quand on parle de la France. Non, il n'y avait pas de Parisien avec une baguette sous le bras, il n'y avait pas de défilé napoléonien.Je pense que Thomas Joly, il a voulu montrer autre chose, il a voulu montrer non pas une carte postale de...1930, mais bien bel et bien une photographie de 2024. 针对开幕式总导演乔丽遭受的网络暴力，目前巴黎检察局已经启动了司法调查。马克龙总统对此表示震惊和难过，并认为没有任何理由可以威胁一位艺术家。